Putain, je suis marocain! Ah, je suis marocain aussi, let's go, je suis pas tout seul! Attends. Bye bye! Mais quel connard! Alors bonjour! Excuse-moi un peu, je ne voulais pas ta mort. T'es mort Hugo. Ah, ma nouvelle vie. Eh, hey, réveille-toi. De retour parmi nous. Je vais tirer dessus. J'ai été flash. Comment ça, Cacahuète se fait flash? Ah, il est mort. T'es mal, le nul. Parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. Pourquoi Lily t'es revenu? Parmi nous. Ah, y'a un zombie là. Attends, je Kevin, il est mort. Ah non, j'arrivais pile. J'arrivais trop tard. Ah, le nul. Ah, on pourra pas te sauver, Kevin. Bon bah, Kevin, noob. Mais non, mais pars pas sans nous, chien. On dirait un père américain, les gars, qu'est-ce qui se passe? Lâche un croc, vas-y, lâche un croc, je t'inquiète. Mais non, mais vous êtes d'autant des mères que votre père, les gars. J'ai jamais vu ça. Ouais, j'entends pas ce que dit Ulysse sur l'ascenseur. Merci, Ulysse, pour ton commentaire, allez. Très bien, non. Prover. Ah non, c'était Lily. Non, c'est pas. Vous avez une idée? Le problème, c'est que tous les zombies sont partis. Non. Et toi? Non. J'adore la communication, c'est soit oui ou soit non. T'as une idée, toi, d'où ils sont? Bon, bah, moi, je sens un chute. Voilà, ça marche très bien la communication entre zombies. Non, mais attends, il y a deux checkpoints, hein, ou c'est moi qui tourne en. Ouais, qui va nuclear. Depuis la. Ouais, si, y'a bien deux passages. On dirait vraiment qu'Ivan, il a trois chiens. Ouais, et son préféré, c'est Ulysse, hein. Bon les gars, premier qui meurt il est nul. Ah, il va là. Ah. Il est bizarre ton jeu quand même, parce que bon... Finalement, on est tous morts, donc qui a gagné? Ok, bah on est tous nuls. Oh regardez, il y a un ascenseur genre pas loin. What the fuck, c'est trop stylé. Ça c'est nouveau, c'est stylé, ouais. C'est ici qu'on crée Sex 2. Mais les gars, vous savez que je vais travailler là-dedans moi plus tard. Dans la promotion XCP, mais putain, waouh. Putain, la chance. Ça pourrait. Non, et t'as fait un stage pour ça, déjà? Non, pas encore, c'est l'année prochaine. Je suis en biotech, donc année prochaine stage et tout. Stage à la fondation XCP, t'es vraiment chanceux. Mais j'étais pas censé vous le dire, donc gardez le secret, les gars. Pas de soucis, je dirai pas à Bibi, surtout. Mais c'est le paradis ça. Bon bah j'y vais. Je vais au paradis. Ah non, il y a quelqu'un qui a fumé. Ah, les gars, by the way, la bouteille qu'il y a dedans, on peut la prendre. Je l'ai sur moi, c'est bon. Bon, je fais un peu peur, mais c'est mes bottes. Bibi, tu veux mon... Tu veux fumer? Ya. Apparemment, il est très envie de fumer. Attends. Voilà, tiens. Mais c'est quoi ça? Allez, on fume. Fume. Attendez, je vais juste épicer un peu le truc. Hein. La bonne surprise. Ah, ça... Ah, le salaud. J'ai mis un autre, hein. Le gros bâtard, quoi, il voulait tuer tout le monde, quoi. Ah c'est nul des copains. Mais t'as survécu, alors, toi? J'ai perdu mes copains, mais ils ont tabassé un autre copain derrière cette porte. Ah merde, je me suis trompé. What the fuck? Il y avait aussi la noix de coco, là. Non, c'est déjà, c'est une cacahuète. C'est très impoli. Bah non, c'est pas devenu une noix, maintenant, il a changé, non? Dans l'Académie française, ça a changé, ouais, j'avoue. Mais voilà, tu vois, dans l'Académie française, je crois que c'est devenu une noix, hein. C'est plus une cacahuète, hein. C'est une cacahuète modifiée génétiquement, tu arrêtes tes conneries. C'est une noix de cacahuète. Oui. Astero, I have the magic stick, you shut the fuck up, I talk, ok? Kevin, oh, attends. Dans l'oreille de ton copain là. Oui, bon, soyons clairs, t'habites où toi? Côté nord ou sud? Moi, ma bite est là en dessous de ma ceinture. Nord du monde, sud du pays. Ah bah c'est pour ça, c'est parce que lui il est au nord donc voilà, il peut pas faire la différence entre ça. Moi je suis au nord du nord, les gars. Je suis encore plus au nord que Théo. Tu veux vérifier un truc? J'ai une carte. Il a joué Exodia. Et moi aussi j'ai une carte. Oh putain, il a dragon blanc aux yeux bleus. J'ai dragon blanc aux yeux bleus, les gars. Et moi j'ai un deck, hein. J'ai un deck entier de potes. Oh le bâtard, il a Sacha du Pompalais. Bah ouais, non mais c'est ma maman, elle me l'a acheté tout à l'heure là dans... Putain. Sur le journal, là je suis trop content. Putain, hé, le riche. Eh, c'est parce que j'ai eu 18 ans. Les gars. Ouvre la porte. Aya, je te donne ma carte Pokémon. Oh salut. Tu veux des cartes Pokémon? C'est Pikachu, regarde, c'est rouge. Oh shit. Bon bah pas Pikachu. Ouais, il a tué. Ah. Mais pas, il aimait pas Pikachu. Pikachu il est mort, gros. Ouais. Alors que pourtant il était à... Bon, tu veux aussi la Pikachu glace, c'est ça? Il est pas très bon en commerce. Bonjour messieurs. Il y avait un classe D avec moi. Mais faites gaffe, il est armé, donc il va peut-être... Je prépare le réflexe. Ouais, j'ai pas envie de... Je prépare le réflexe. S'il vous plaît, c'est moi. Bonjour. D'accord. Attendez, j'ai un pistolet aussi. Voilà. Est-ce que tu as des cartes Pokémon? Allez, j'ai confisqué. Là, regarde, j'ai une carte Pokémon. Toi, je suis sûr que t'as un type louf shiny, bâtard. Non, non, c'était un bon gars, il m'a aidé à sortir et tout. C'est un cool. Non, non, c'est pas de type louf. Question importante, tu préfères Pikachu ou Draco?
après je trouve que monsieur Ulysse, c'était peut-être la personne que je devrais pas répondre à cette question. Kaka peut me poser une autre question que ce gars-là? Bien sûr, Kubu ou Arco? Je vais dire la vérité. Gobu. Tu voulais dire Gobu? Oui. Ah ouais, Gobu il est cool. Ah, c'est bien. Bah écoute, on te ramène chez toi, Ah, merci les amis. Tu préfères une dernière? Non, Ulysse, arrête. Swift, tu vends mon coupon 100% sur tout ce que je vais acheter? Donne-moi la carte Pokémon. Donne-moi la carte Pokémon maintenant. Je lui la carte. Allez, on y va, les amis. Eh, salut. Allez, les sujets, avancez-nous. Comment ça là? Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Oh, oh, oh. C'est des nouveaux, fuyés. C'est des nouveaux fuyés. C'est clair, what the fuck, t'as envie d'en pleurer, c'est des fuyés. Oh, there you are. Ah, salut. Alors, on peut négocier, écoutez, je suis avant tout scientifique, on peut discuter, on peut faire la paix, tout ça. Ah oui, d'accord, vous êtes des grenouilles aussi. Écoutez, je suis à deux doigts de mourir, j'ai pas trop envie, je vois que vous êtes de belles grenouilles quand même. Écoutez, je vous propose que vous allez devant, et enfin, me venger quoi. C'est les nouveaux fuyés. Ah, pas mal cette imitation, monstre Bibi. Ah, attention, là, je risque de mourir ici, hein, je vais avoir froid aux couilles, hein. Bah, écoutez, c'est pas si mal, ici. Bon, bah, écoutez, hein, j'y vais, moi, je vais faire le message. Je reconnais la personne. C'est les nouveaux fuyés. Ah, bah oui, c'est les nouveaux, hein. Ah, parfait. On va pouvoir sortir dehors, on va se changer les idées. C'est un peu con, oui, ah, parfait. Non, on pourra sortir dehors. On va se changer les idées. C'est pas grave, on va rester là. Ah, putain, avec la phrase du coup. Ah, parfait. C'est insupportable. On pourra sortir dehors. On va se changer les idées. Puis utiliser les voix des autres. Moi, ça me fume, c'est avec ma phrase qu'il a incarné. C'est genre, ah, parfait. Ouais, t'es parfait. Ah, t'es moche. Tu... Oh, t'es moche. Ça, c'est moi, ça, je reconnais. Le plein test, mais de la voix, tu sais. Quand je l'ai vu derrière la porte, je suis en mode, putain, mais qu'est-ce qu'il est moche. Tu critiques, mais de façon bien détaillée, quoi. Ah, t'es moche. Il l'insulte. Ah. Ah, allons-y, les amis. Je vais découvrir ma voix. Oh, je rigole même pas. Ah. Bon, bah, sympa mon gameplay, hein. T'as eu un meilleur gameplay que moi, j'aurais pu faire 5 secondes de gameplay quoi. Ah, réel. Moi je suis mort aussi, hein, en 5 secondes. Ah, Terry, c'est toi qui t'es fait sauter dessus? Bah, en vraiment, moi je suis arrivé, j'ai fait ah, je vais pouvoir rencontrer mon. Ah, je suis mort. Attends, je vais regarder le gameplay d'Astéro, il doit être intéressant. Il se cache, il a peur. Astéro a un bon gameplay, je trouve. Le gameplay chochote. Ah, je vais découvrir ma voix. Ah, hop là, je vais découvrir ma voix. Le timing de merde quand même. Oh. Ah, parfait, je suis un SCP. Je peux pas ouvrir. Y'a un stimulant ici. Oh, pardon, j'ai fait des études là. Ah non, c'est tout. Bah pourquoi c'est moi que tu veux, mec? Non, non. Ah, y'a de côté. Attends deux secondes, je suis en train de sonner à ma soeur. Pas de soucis, hein. Ah. Comme ça, je génère ma santé en attendant. Vas-y! Ah, get baited. Oui? Es-tu là? Oui? Survie. Ça me paraît compliqué, gros. Comment tu vas? Donne tout! Kevin? Oh, pitié. On peut communiquer, je suis un youtubeur sympa, je suis sympa. Je range mon arme. Si tu veux, on peut se balader tout seul. Hein. Ah, ensemble. Parfait. Voilà, c'était vraiment bien. Je te jure, on arrive, c'est bon. Je suis gentil. Voilà, tue-moi, je veux même pas vivre en ce monde. C'est toi et moi maintenant. Allez. Salut! Au revoir, Hugo! Qu'est-ce qui se passe? La grenade! Eh, ça va, j'ai bien survécu comme SCP! Bon, je te suis parce que bon. T'as l'air un professionnel, un no life. Bah, regarde, là ici. Un no life, connard! J'aime bien, t'as quand même accepté, et après t'as fait. Bah, attends. Mais bâtard, arrête de tout prendre! Tu cherches une carte, fils de tout. Oh, y'a un flag pour toi si tu veux. Y'a un flag, y'a une carte. Ah!
Ici, si, il y a une carte. Alors, tu vas me passer tout de suite cette carte là. Merci, chien. Prends son orbe, pour l'upgrade. Ah, ok. J'avais un putain de silencieux. Et du coup, si je la repose, je peux avoir un meilleur truc ou pas? Oui. Tu vas avoir. Je crois que ça va jusqu'à la M4. Par contre, elle a disparu mon arme. Quoi? No way. Baby, t'es jaloux parce que le Maroc a perdu et qu'il va avoir la troisième place? Ta gueule. Regarde, c'est petit secret, ok, Hugo? C'est à cause de la bêta, ça, je connais. Hein? C'est quoi ça? Regarde. Donc là, t'as juste All In Fart, quoi, c'est ça? Écoute, All In Fit, ça hésite, donc All In Fart, je me demande si ça hésite pas. Attends, je vais essayer de communiquer avec eux. Vas-y. Allô? T'es genre garde ou bien genre juste classe D? Je participe à des recherches, quoi. Non, je participe juste à des recherches, c'est tout. Ah, sinon, ça fait quoi en bas? Là, actuellement? Alors, je suis dans le 14 là, j'ai en train d'améliorer ma carte. J'améliore ma carte, je voudrais partir parce que bah y'a des gens qui veulent nous tuer. Voilà, bah on se voit dans le 14. J'ai l'air de faire des bêtises. Oh. Bah, on va. Oh, viens, mais nous, on l'arrête. Alors, c'est qui le plus con dans l'histoire? Salut, mec. Salut. Ah, tu m'as menti, tu n'es pas un scientifique. Bah, je participe à des recherches. Bah, il a perdu ses lunettes en courant. Oui, c'était moi. Alors, celui-ci, tu l'entends pas, mais il faut qu'on se barre. D'accord. J'entends. Ils veulent s'enfuir sans nous, ces deux zigotos. Non. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, moi, je suis sourd. Moi, j'ai pas participé à ça, moi, je voulais juste profiter des vacances. Lâche ton arme. Lâche ton arme. Très bien, monsieur. Oh, Dieu ! On est dans la merde. Moi aussi, j'ai regardé, je décide. J'ai bien fait de vous passer l'arme, monsieur. Ouais. Pourtant vous êtes le capitaine, ils vous ont pas écouté. Faut toujours suivre le capitaine. Ouais, Thomas de demander. Ouais, je sais pas parler. Allô? Je pense pas que. Ah, c'est mon co. C'est mon ami. Salut. Faut détruire l'ordinateur. Quoi? Attendez. Ah. Allô? Bon, c'est fini tout. Je suis confiné. Ouais, moi je suis. Salut. Écoutez, Macron, fait, je suis caché. Je suis parfaitement innocent. Ouais, moi aussi. Moi je prends ma douche là. Ah là là. Caméra. Putain ça. Ah dommage. Bah c'est bon. Ouais. Faut pas j'ai un P90 qui pue. Je suis le capitaine. Ouais. Bah on suit capitaine. Là c'est Cassie, il est pas son propre. Ouais, je suis capitaine, tu te tais. On va extraire notre coéquipier, c'est le seul qui nous reste. On va extraire la semence de pipi. Qu'est-ce qu'on peut pas genre. T'inquiète pas, on arrive. Ah. Ah putain. Oui, bien joué. Oui, j'ai utilisé. Allez. Les pouvoirs du dodge. Niquons maintenant l'ordinateur. Détruisons le porno. Journal de bord, SCP-118. 11 mars, écrit par Docteur U. Avec mon collègue de travail, Docteur A. Nous avons envoyé des classes D pour observer cet objet en ligne sur le site d'hébergement vidéo. D'après le résultat, certaines personnes ont rigolé et d'autres sont angoissées à cause de certains passages. Le SCP-118 a révélé l'identité du stagiaire qui aurait annoncé son travail ainsi que son plaisir secret qui est de se devant SCP-939 et SCP-1471. Le stagiaire a été placé comme classe D suite à cette information et pour punition de la règle 43. Nous devons désormais surveiller SCP-118 afin de connaître et d'éviter qu'il révèle d'autres informations secrètes au centre de la Fondation.